je trouve bien, ça nous occupe bien, on fait des jeux, on fait des activités. Donc on intervient en fait dans le cadre d'un parcours qui s'appelle Mercredi dit ta ville, où on accompagne les enfants à la découverte du patrimoine, de leur quartier, de l'architecture, etc. Et on fait aussi tout un travail sur le langage écrit et oral, où on propose par des jeux aux enfants d'acquérir du vocabulaire et de s'exprimer par de l'écriture ou de l'expression orale. C'est trop génial de venir ici parce qu'on fait plein d'activités et j'adore. Là, j'ai choisi l'image des poissons, donc je dois mettre les poissons en dessous de celui-là. Alors en fin de compte, on les initie plutôt à des jeux éducatifs sur l'ordinateur, sur un logiciel qui s'appelle J'ai compris. Le logiciel, il est composé de plusieurs jeux qui permettent aux utilisateurs, pas que les enfants, de manier ou d'apprendre à manier la souris, le clavier, repérer les touches sur le clavier, également un petit peu de traitement de texte basique. Ils sont très contents, on en a des enfants, ils préfèrent le mercredi loisir au lieu de l'école, déjà, parce que le matin, quand ils arrivent, les parents nous parlent aussi. Hein, les parents, on a un planning, et les parents nous disent, le matin, difficulté pour se lever et aller à l'école. Quand il s'agit de mercredi loisir, c'est autre chose. Depuis le matin, 7h à 6h30, c'est prêt pour le mercredi loisir. Il y a un DJ qui vient en cabardoc. Et là aussi, il y a une nouvelle activité. C'est on répare des choses. Enfin, on répare. Aujourd'hui, on a démonté une télé. Et après, on va créer des enceintes. Il faut bien qu'elle se débrouille, l'ascenseur est cassé. Allez, et hop, une marche. Oh là là, gribouille et fatigué. C'est chouette les mercredis loisirs ? Oui. Pourquoi c'est chouette ? Parce qu'on s'amuse. Il y a beaucoup d'amis ? Et avant, tu faisais quoi quand c'était le mercredi ? J'étais pas là. Oui, et t'étais où ? Chez mamie. D'accord. C'est mieux chez mamie ou c'est mieux ici ? C'est mieux ici. Deux marches ! Et fatiguée.